l'Office national du tourisme burkinabé, car depuis de longues années, nous sommes en collaboration avec la mairie de Ouagadougou. Nous travaillons beaucoup sur la matière, sur les potentiels touristiques de la ville, mais nous n'avions pas pu sceller nos relations ou l'officialiser à travers une convention. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous pensons que cette convention va nous permettre de travailler sereinement et de pouvoir intégrer dans nos différents programmes d'activité les actions qui vont permettre de mieux découvrir la ville de Ouagadougou. Et parce que nous ambitionnons faire de Ouagadougou un label. Voilà, c'est la porte d'entrée du Burkina Faso et l'ONTB a pour mission la promotion de notre destination. Et c'est un devoir pour nous de commencer par Ouagadougou et de faire un véritable travail de promotion, d'appui technique aux différents acteurs qui interviennent dans le domaine de la gestion des sites, dans le domaine des guidages, la confection des circuits touristiques à l'intérieur de la ville. Naria, c'est trois volets essentiellement. C'est le volet appui technique, c'est le volet mise en tourisme des événementiels qui se tiennent à Ouagadougou, c'est le volet inscription des sites comme Bangrewewo de façon régulière et insister sur la fréquentation de ces sites-là pour que les gens puissent mieux découvrir la ville. Il y a aussi le fait que la mairie a un programme dans ce sens-là, de faire de Ouagadougou un véritable point d'attraction qui s'impose au niveau sous-régional et même africain. Voilà, donc nous allons accompagner la mairie également dans ses nouvelles dispositions et dans sa politique de développement et de promotion de la ville de Ouagadougou. Il y a un potentiel énorme, plus de 300 sites et attraits touristiques dans la région, mais Ouagadougou regorge la majeure partie des merveilles. Voilà, vous avez en face de vous la place des cinéastes, qui est un monument historique et très symbolique pour nous. Et quand vous faites le tour, vous verrez qu'il y a beaucoup de sites majeurs qui sont à Ouagadougou, mais qui en réalité n'appartiennent pas à une institution ou à une structure bien déterminée qui puisse nous permettre de mieux valoriser ces sites-là. Vous voyez les espaces verts, il y a beaucoup de difficultés à Ouagadougou en matière de gestion des sites. Et quand on regarde de près, la rétrocession de ces sites-là à une entité précise va permettre à nous, acteurs de promotion, de pouvoir travailler sereinement avec cette institution. Et nous pensons que la mairie de Ouagadougou est l'institution la mieux indiquée pour porter ces projets. Et nous, à côté aussi, nous allons collaborer pour vraiment donner plus de valeur, plus de visibilité à ces sites-là. La commune de Ouagadougou a engagé, dont l'objectif est de vendre l'image de la ville. Nous venons ce matin avec l'Office national du tourisme burkinabé de signer une convention entre nous pour valoriser en tout cas les potentiels culturels touristiques de notre chère capitale qui est Ouagadougou. Et cette convention va nous permettre en tout cas de regarder ensemble dans la même direction, notamment en renforçant la capacité des acteurs touristiques dans la ville de Ouagadougou et également en valorisant en tout cas notre potentiel touristique, en réhabilitant aussi ou en ajoutant encore d'autres sites touristiques à ce qui existe déjà, de telle sorte que d'abord au niveau local, que nos concitoyens puissent vraiment avoir des sites viables qui leur donnent envie vraiment de découvrir l'histoire de leur ville, l'histoire du Burkina Faso. Et ensuite, nos amis qui nous font vraiment l'honneur, c'est-à-dire ceux qui viennent d'ailleurs, qui nous font l'amitié en tout cas de nous rendre visite, pourront aussi faire des tours pour découvrir ce que Ouagadougou peut leur présenter, en tout cas qui retrace son histoire, son identité. Et ensemble, nous allons valoriser tout ce qui existe au Burkina. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu est très grand et c'est un jour vraiment mémorable pour moi parce que nous jetons les bases actuellement, en tout cas, d'un partenariat qui va valoriser tout ce que nous avons dans la ville de Ouagadougou comme site touristique.